Non mais tu crois que c'est la même vidéo, mais c'est pas la même vidéo. C'est la même chose, mais c'est pas la même vidéo. Mais c'est le même outil, mais c'est pas la même vidéo. Non, c'est pas la même vidéo, c'est pas la même vidéo. It's gonna be alright. Yeah, yeah. How can you tell? Yeah, yeah. Salut, salut mes paillettes. Salut, salut mes paillettes. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de me demander si... Enfin, je le dis, ça sort tout seul, donc salut, salut mes palettes. Mais si parfois je le dis autrement, c'est pas grave. Après, c'est vrai que c'est mon... j'ai pris cette habitude-là et je me suis dit que je voulais un rituel. Donc, on va garder ce rituel. Ouais. Parfois, si ça change, dites-vous que c'est pas grave, ça peut arriver. Que ça sorte pas correctement. Bon, je vais... Je vais vous reparler de ces outils. J'en ai déjà parlé dans une première vidéo. C'était un premier essai. Là, j'ai discuté avec mon amie qui m'a dit de faire comme ci, comme ça. Elle m'a dit comment faire. Elle m'a redit comment faire. Elle m'avait redit la même chose la première fois. Seulement, je n'avais rien capté. C'est pas grave. Même moi, j'ai réessayé de mon côté. Effectivement, ça marche mieux là. Ça marche mieux. Donc, je vais vous montrer. Je vais réessayer avec vous. Et on va tester tout ça. Et je reviens après avec un petit peu de blabla, comme d'hab. Bon bah on y va, hein. Allez, parti. Voilà, j'ai essayé de tout préparer bien comme il faut. Et je vais prendre le plus fin. Voilà, j'ai un carton assez épais ici, mais ça va pas être forcément l'idéal. Et puis pour le test, on va prendre celui-ci. Alors par contre, je vois qu'il est pas droit. C'est pas bien grave, on va le recouper. On commence bien. Alors, on va recouper ça correctement quand même. Ce serait plutôt bien. Donc, vous voyez, je m'aligne sur mon tapis comme ça. Bon, je m'aligne plutôt en bas là. Je me cale ici. Je prends le repère de la ligne ici et je vais le découper. Bon, ça, c'est hors sujet, hein, mais... Au moins, je vous montre tout. Donc, je fais un premier passage sans trop appuyer non plus. J'appuie un minimum. Je passe plusieurs fois. Et une fois que le... Bon, bah, il est fin ce carton, donc c'est bien. Mais vous voyez, une fois que le passage est marqué une première fois, on peut y repasser... Sans, voilà, on suit le truc et la ligne elle est faite. Là on a nos bords droits. Par contre là c'est pas droit non plus. Alors c'est reparti, on va faire la même chose. Oui bon, je vais me caler là, ça va être très bien aussi. Là on est droit. Donc bah ouais mais non. Faut que je sois droit des deux côtés. Donc on va se caler ici. Et c'est bien si on prend le côté métallique pour découper, on va dire que c'est mieux. Je me cale avec cette ligne-là, ici. Et on fait la même chose. Je le laisse parce que je pense pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors j'en ai parlé à mon ami qui m'a réexpliqué. Et je lui ai dit, bon, j'ai l'impression d'avoir fait ce que tu m'as dit, mais en même temps, je crois pas. Je crois que... J'étais un petit peu brouillon la première fois. Et donc là, j'ai réessayé une fois. J'ai compris plus ou moins le principe. Et j'ai envie de vous refaire cette vidéo proprement. Un peu moins... donc la première, c'était un premier essai, on va dire. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai changé le titre de la vidéo. C'était un premier essai. Et là, je vais faire quelque chose d'un peu plus convaincant. Parce que l'outil, il est quand même super pratique. Non, c'est vrai. Je vais le recouper pour le faire un peu plus petit. C'est pas la peine d'utiliser un gros morceau non plus. On va faire ce petit carré-là. On va le faire un peu plus grand quand même. On va faire ça. Je pense qu'on peut... Vous
Ouais, une fois que vous avez fait la trace avec la règle, après vous n'avez plus besoin de la règle, ça passe tout seul. Le cutter entre bien dans la rainure, ouais, la rainure, dans la rainure, la trace du passage, et ça glisse tout seul. Bon, j'ai pris une chute de papier qui est très jolie d'ailleurs, mais bon, hein. Et on va refaire la même chose. Donc on va faire un encadrement. Pour ça, j'ai besoin de la petite. Vraiment que je le fasse avec ça. Il faut que j'arrondisse les angles d'abord. Avec la corner champer. Donc j'ai un demi et un quart. Alors, on va faire. Ça c'est quoi? Un demi. On va faire deux, un demi, deux, un demi. Et de l'autre côté, je vais faire le petit. Voilà, jusque-là, on est bon. Un demi-inch et un quart de inch pour l'arrondissement, pour l'arrondi plutôt, l'arrondissement, pour l'arrondi. Et voilà, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Alors, pour info, j'ai bien lu vos commentaires, mais j'ai pas compris l'intérêt. Enfin, on me dit il faut arrondir, bah j'ai arrondi. Après, peut-être que ouais, il faut commencer par l'arrondi. Je crois voir, c'est exactement ce que je dois faire, ce que je dois rectifier. Donc, je pense que c'est ce que vous vouliez dire. Oui, je lis tous vos commentaires. Je ne réponds pas tout de suite. Et si j'ai pas le temps de répondre, je vais pour mettre des pouces. Parce que bon, c'est pas évident. Alors, attendez, j'ai plus de mine pour mon critérium. Mon crayon, ça va. Il est bien taillé. Donc moi je procède toujours comme ça, hein. Je fais la trace, je prends la mesure avec l'équerre ou les petits outils gabarit. Et je fais la trace donc pour ça. Là pour le découper, ça va être. Ça va être le grand, le petit du coup. Peu importe. Oui, ça va aller. Ça va aller. D'ailleurs, vous voyez, je vais le mettre. Alors, attendez, je vais le remettre là. Bon, je vais le coller d'abord. Alors, j'ai pris une colle. Soit je m'en mets pas partout parce que. Bon, par contre, elle va être. Voilà. J'ai utilisé la bloc. Alors, la bloc est parfaite, mais honnêtement, je m'en suis mis partout tout à l'heure et ce n'était pas très pratique. Enfin, je m'en suis mis partout sur les doigts. Et là, c'est un essai en plus. Mais cette colle-là en stick, elle colle très très bien. Hein. Toutes les colles en stick que l'on peut trouver, il y en a une Tim Holtz qui est violette. Elle est là. Oui. Je vais peut-être la prendre d'ailleurs parce qu'elle est très bien. Et celle-là, elle commence à partir en. Celle-là, c'est la Tacky Glue hein, de Aline. Mais bon, ça colle très bien. Hein. Et franchement, avec ces colles-là, on n'a pas de, ben, on n'a pas de grumeaux, on n'a pas de, enfin, de grumeaux. On n'a pas de bulles, vous savez. Là, je crois que je suis en train de la terminer. Alors oui, je mets mes doigts dedans, hein, donc forcément, je vais en avoir sur les doigts, mais c'est pas trop trop grave. C'est moins gênant, je veux dire, que les colles liquides. Comprendre des là ok là on va couper c'est marrant j'ai l'impression que c'est du grand mais non non c'est celui-ci c'est ça alors on va couper autour on va couper là et là je vérifie juste. Je suis toujours dans le. Ouais, ça va. On va couper là. Bon, je le fais à fond, quoi. Je veux dire en entier. J'aurais pu préparer déjà. Mais bon, ça permet de passer un moment avec vous et vous avec moi, surtout.
J'ai pas travaillé cet après-midi, j'ai fait grève cet après-midi. On fait grève chez nous et j'ai pris le parti de faire grève, mais juste cet après-midi, voilà. Donc j'ai pu faire quelques petites choses en même temps. Et demain mercredi, ce sera vidéo. Ce sera travail sur site, donc je vais aller sur site. Et je vous ai préparé, il y a une petite vidéo qui va sortir demain. Là, nous sommes mardi soir, donc je viens de regarder un film de Noël cucu. Bon, j'ai fait autre chose en même temps devant. Hein. J'aime bien, je faisais du scrap pour mon calendrier de l'Avent que je dois envoyer, j'aimais bien. Alors, on va prendre l'angle 1,5. On va revenir à nos moutons. Hein. Et je vais tracer. Alors, moi, je vais tracer. Alors, hein, ils font un crayon bien taillé. C'est toujours mieux. Je viens tracer comme ça. Alors, c'est pas grave en soi après parce qu'on va... Alors, par contre, là, le truc, il est toujours décalé. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais faire les deux côtés. Et il est bien. Et je vais faire aussi le petit en même temps. On va tout découper. Donc là, on a les grands côtés. Et ouais, je vais aussi faire le petit en même temps. Je pense que je vais couper. Je vais découper. Je vous montre juste une fois comment je découpe. Et après, je le ferai hors caméra. Donc moi, je prends mes ciseaux. J'aime bien. Et je découpe, donc je suis le bord. Mais vous savez, si vous ne suivez pas exactement, c'est pas grave du tout. Il faut vraiment faire des petits... Bon, après, essayez de suivre. Hein. C'est quand même fait pour qu'on suive le truc. Mais moi, je le fais un petit peu plus proche de là. Je l'avance un petit peu. Vous voyez, je coupe un petit peu plus. Et voilà. Hop. Voilà. Donc là, c'était quoi, le petit? Donc, je vais couper pareil. Le grand, je vais le couper avec vous. Allez, celui-là, je le coupe avec vous. Voilà. Et vous voyez, je suis... Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Si vous voyez, je suis les petits... les dessins, hein, tout simplement. Hein. Mais c'est pas bien grave si... là, vous voyez, normalement, je vais le couper pareil. Mais c'est pas grave si on le laisse pointu, en fait. Non, je vais le laisser comme ça. C'est vraiment pas important. Ce qu'il faut, c'est couper bien. Voilà, au niveau des... Je pense que voilà, il faut les suivre grosso modo. Mais c'est pas au détail près. C'est vraiment pour nous guider. Là. Je coupe un petit peu plus loin. Un petit peu plus près d'ici. Je trouve que c'est mieux. Mais après, si vous suivez le truc à la trace, il n'y a pas de souci. Je coupe de l'autre côté et je reviens. Alors, c'est là que le bas blesse. C'est délicat, mais il n'y a pas de raison. Je vais prendre mon petit plioir pour faire les traces. Les traces autour du carton. Bah pour aider tout ça à se replier. Donc, elle m'a dit de commencer par los picos. Alors, on va commencer par les picos, le pic, ici. Elle m'a dit, tu prends au niveau d'ici, là. Vous voyez ? Elle m'a dit, tu rabats le truc.
peu importe le nombre de piques qui se rabat. Donc là, effectivement, il y en a 3 qui vont se rabattre. Voilà. Et elle m'a dit, tu les colles. Et on va les coller. Alors, effectivement, je vais prendre un papier pour... en dessous. Je vais prendre la colle violette de... c'est quoi? C'est, je vous ai dit quoi? C'est Tim Holtz. Non, c'est Tonic Studio, pardon. Tonic Studio. Donc, on va mettre la colle ici. Ok. Je vais... Alors, du coup, non, mais je suis vraiment... je vais ranger celle-ci qui est toute, toute cracra. Je vais la mettre ici. Nettoyer les mains. Attendez, avant tout, je vais coller ça. Donc, on colle. Ouais, je crois qu'elle m'a dit qu'il y en a 3 qui viennent bien sur le papier. Mais elle m'a dit voilà, de plier quand même le truc au niveau d'ici. Donc ça, c'est fait. Par contre, j'ai les mains toutes collantes. Je suis désolée, je prends des lingettes pour nettoyer la main. Hop. Et donc, en attendant que le petit bout sec sèche, j'ai vraiment du mal. Hein. C'est hop. Alors, on va aplatir tout ça. Ok. On fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, je prends le pouce comme ça et hop, j'aplatis cette partie-là. Donc on va avoir un bon petit bout. Je me suis encore mis. Hein. Finalement, quelle que soit la colle, c'est... Alors, voilà. J'appuie bien dessus. Je sais même pas si je laisserai ça comme ça. Alors, je pense qu'après, il faut un petit peu improviser aussi. Je dirais. Parce que là, vous voyez, là, ce que je ferai, c'est que je vais plier ça. Mais là, honnêtement, je pense qu'il faut voir en fonction de comment les choses se présentent. Mais ça peut être sympa, ça. C'est assez... Ouais. C'est pas mal comme ça, je trouve. Donc, vous pouvez le coller d'abord, et puis après, vous rabattez tout ça. Ça m'a l'air pas mal. Alors, par contre, il n'est pas du tout collé. Hein. Je suis pas fiable hein, dans mes histoires, là. Je vais reprendre ce petit truc. J'ai un tapis silicone pour coller. Je sais pas où il est. C'est une catastrophe. Je vous jure de pas savoir où sont les choses. Et là, en fait, il y a de la colle. Il y a de la colle. Comment elle s'appelle? L'autre là, la colle tapis glu là-dessus. Hein. Donc c'est vraiment pas possible. Hein. Je sais plus où me mettre. Je vais aller me laver les mains hein, parce que je vous assure que ça me dérange. Vraiment. N'importe quoi. Voilà. Là, on est collé. Donc, je mets bien le truc. J'aplatis bien l'histoire de bien aplatir tous ces petits bitonios. Et là, les petits bitonios, ils sont là. Donc, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Vous voyez, ici, au niveau du petit picot. Du petit picot, du pic. On va plier ici pour que ça se rabatte. Seulement, comme là, tiens, il y a Nuki qui est là. Comme là, j'ai d'autres bitonios plus petits. Je ne vais pas rabattre tout de suite. Alors, par contre, je vais devoir enlever Nuki. Voilà, Nuki est descendu. Alors, donc je vous disais, là, pour rabattre, pour replier celui-ci, on va d'abord s'occuper des bitonios ici. On va faire la même chose. Alors par contre, je vais commencer quand même à plier.
Mais là, je vais faire la même chose. Je pense que le petit doit être plus simple parce que bah, il n'y en a que 3. Et vous voyez, ça se place beaucoup plus facilement. Alors, je vais mettre un coup de colle. Ici. Donc, voilà. Juste les, bah, les picots. Hein. On va appeler ça los picos. Les picots. Les petits picots. Et là, on va faire pareil avec ceux-là. Et c'est ce que j'aurais, voilà, c'est ce que j'aurais dû faire la première fois, commencer par les petits pics. La première fois, je m'y suis vraiment prise comme une bourrique, je vous jure. Je me dis, non mais, en fait, parfois, vous savez, j'ai hâte de découvrir les choses, j'ai hâte d'essayer. Alors, voilà, voilà comment je fais hors vidéo, c'est comme ça que je fais. Dans la vie de tous les jours, c'est comme ça que je fais. Après, je me dis, parfois, il faut prendre son temps. Et vous voyez, là, je rappuie dessus. Je marque le pli du... Et je pense que là, on va avoir un truc sympa. Sympa et propre. Et ouais, c'est ça. Alors là, il n'a pas l'air trop arrondi. Mais... Et pareil, je me disais avec du... Avec du... Comment dire? Avec du... Je vais y arriver. Avec du tissu ou du, je sais pas, quelque chose de plus fin, je pense que l'arrondi sera beaucoup plus visible et que ça pourra le faire. Alors par contre, bon bah, il faut se mettre d'accord hein, sur ce qu'on plie en premier parce que là j'aurais dû plier soit ça, ça et ça et ça. Là je le fais un peu donc à ma sauce. Je vais d'abord plier. Alors j'ai pas collé ça. Mais si je l'avais collé, mais c'est décollé. Il s'est décollé. Je vais replier ici. J'espère que c'est plus clair, même si c'est encore un peu laborieux, que c'est quand même bien plus clair que le premier, la première vidéo, que je vais laisser parce que bah voilà, c'est des, ce sont des essais. C'est toujours, je pense que c'est toujours, ce sont des essais. Comment j'ai dit ça? C'est toujours, ça peut toujours être intéressant de voir quoi. Voir ce que... De voir, ouais, comment... Si on fait la même chose ou quoi. Ça peut être utile. Donc là, on a nos angles. Alors, celui-ci, il est bien. Par contre, il y a quand même un petit effet, pointu ici. Et donc, ma copine m'a dit... Mon amie m'a dit de faire comme ça. Voilà, de peaufiner un peu le rond, l'arrondi, avec le avec un plioir. Et c'est vrai que ça le fait. Mais ça le fait, mais carrément. Carrément. Donc, bah écoutez, moi j'aime bien cet outil. Je suis convaincue parce que c'est quand même un bon guide. Je vous disais que je le faisais sans, mais c'est vrai qu'avec, eh ben, au moins, on est plus tranquille. Je vais terminer ce côté-là. Pour avoir un résultat terminé. Enfin, oui, c'est mieux, hein. D'avoir un résultat terminé. Voilà. Donc. Elle est bien cette colle. Hein. Elle est pas mal du tout. Ça vous évite d'avoir des... je sais plus comment on dit. Vous savez des, mon papier, il. Je sais plus. Vous allez me le dire dans les commentaires. Mais ça évite que... Là, le papier, il est lisse, lisse. Hein. Et ça colle très bien. Franchement, elle colle très, très bien, cette colle de Tonic Studio. Il y a la même chez Rita Rita. C'est le même genre. Elle est jolie, d'ailleurs. J'aurais pu la prendre. Celle-ci. Elle est violette aussi. Donc, je pense que c'est le même type de colle. Et ça colle très bien. Hein. Faut penser à... Peut-être penser... Et... Donc là, pareil, il est un petit peu... Voilà, on appuie un petit peu et ça le fait. Donc là, pour moi, ce serait cette méthode à, la méthode à adopter. Après, je pense que chacun peut tâtonner, voir ce que... Mais là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez, l'angle, il est parfait. Et là, le grand, il est pas mal. Il est pas... Là, celui-ci, il est parfait. Celui-ci, je dois l'étaler un petit peu, l'aplatir un petit peu. Mais franchement...
du tout. Et là, on a quand même quelque chose de plus propre que la dernière fois. Surtout là. Donc, voilà. Ah oui, ils sont parfaits. Ils sont vraiment parfaits. J'aime beaucoup. Donc, bah, c'est chouette. C'est chouette. Voilà. J'aime bien quand j'arrive à... Je suis partie... J'ai fait la première vidéo. J'étais pas l'esprit tranquille. J'étais pas forcément... Et là, les angles, ils sont vraiment très bien. Ils sont parfaits. Alors, à l'intérieur, il faudra un petit peu rabibocher le truc. Mais surtout pour le grand. Mais bon, enfin, rabibocher, je veux dire, à l'intérieur, en général, vous collez un papier dessus. Et, mais franchement, ça va. C'est très propre. C'est bien mieux que la première fois. Donc, je suis contente. Cette vidéo ne servira pas à rien. Donc, c'est pas la même chose. C'est le même thème, mais j'arrête. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous servir. C'est surtout ça l'intérêt, c'est que ça vous serve. Parce que des angles arrondis, c'est bien sympa sur une couverture. Et je crois que ça va être ma prochaine... ma prochaine création, ça va être un album avec les angles arrondis. Enfin, mon prochain album aura les angles arrondis. Voilà. Et voilà. Donc, sinon, demain, vous allez avoir le petit album que j'ai fait pour Graffiti Girl. Où là, je vous spoil le programme, hein, c'est pas grave. Et j'ai hâte aussi parce que je l'ai adoré. J'ai adoré le faire, cet album. Et voilà, je crois que j'ai un peu beaucoup parlé déjà, hein. Donc, écoutez, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, comme d'habitude. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Merci, ça me fait énormément plaisir de voir que le nombre d'abonnés augmente de jour en jour. C'est très plaisant, c'est gentil. Et puis, moi, c'est gratifiant. Non, c'est valorisant, je pense. Enfin, bref, ça fait du bien au petit cœur. Je vous dis à bientôt. Hein. À demain, parce que demain, vous aurez une vidéo. Moi, je serai au boulot, vous aurez une vidéo. À très très vite mes paillettes, et surtout le plus important, c'est que je vous kiffe. Et ce soir il y a Koh-Lanta. À très très vite, ciao ciao. It's gonna be alright.